Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour le Grand Prix d'América, et oui, la 19 session. Et oui, 19 manches, on est bientôt à la fin de la saison. Et Ocon est premier avec Pourchet en troisième position, c'est bien, avec un point en plus qui va devoir, que je vais devoir mettre un Alfa Romeo. Ils sont loin. Mercedes, ils sont un peu plus loin. Enfin, un peu moins loin. Ils sont à 60 points, donc le trio de tête, c'est sûr qu'on va rester un trio de tête très compact. Je pense que les positions vont rester les mêmes sur 3 tours, sur 3 circuits, je veux dire. Je pense qu'on va rester sur les mêmes. Et en termes de position, ça va être entre moi et Red Bull, enfin, entre Red Bull et Alpine. Et puis en termes de pilote, ça va être entre Verstappen et Ocon. Hein. Pour Cher, je pense pas qu'il va revenir avec le nombre de points qu'il a perdu. Donc voilà, on va essayer d'avancer le plus possible. On va mettre un petit point à Monsieur Pourpour. Dans quel domaine je vais pouvoir le mettre dans la précision, ça serait bien. Hop, voilà. Après, Victor Martins, mettre dans la précision aussi. Il va augmenter de niveau, c'est bien, 60, parfait. Je t'accepte dans cette puissance. Alors, les mails. Aperçu. De quoi, ouais, on a 10 points d'avance sur Esteban Ocon. Le simulateur est en mauvais état, mais je peux pas le payer. Vous voyez, je suis à 600 000. Le prix du simulateur est remise à 9, 4 millions. Donc ça va être un peu dur. Il va falloir travailler un peu dessus. J'ai des pièces qui sont en attente aussi. Comme vous pouvez le voir. C'était quoi? C'était où? C'était là. Là, c'est des simulateurs qui sont en attente. Et puis, normalement, j'ai des pièces aussi en attente, je crois. Projet en cours, donc j'ai pas mal de projets en cours, hein, vous voyez, j'en ai 5. De construction de pièces, un châssis en conception, un projet de recherche et un autre projet de recherche pour la fin de saison. Donc voilà, la fin de saison va être complète. Allez, on se lance aux Américas. Let's go party everybody. On va mettre tout le monde, hein. Tout le monde. Voilà, pour les Q2 et Q1, mince, à chaque fois je me trompe. Q2 et Q3, voilà, hop. Pour la course, je mets pas de... Non, je mets pas d'objectif de position d'arrivée. Position d'arrivée 4, je sais, ouais, peut-être. Ok, on va voir ce que ça donne, et puis voilà. Et ben, on se lance, j'espère que j'ai des pièces comme il faut, je crois que j'ai des pièces partout. Les moteurs sont un peu fatigués, hein. Le moteur d'Esteban Ocon est un peu fatigué. Et j'en ai encore deux, bon, ouais, deux, c'est un grand mot, le RS, ouais. Bon, et ben on va se lancer, hein. On se retrouve tout de suite pour les... Alors, je vais juste regarder s'il y a personne, non, le point, ok, ingénieur, c'est toujours autant. Et donc on se lance pour la partie des Américains essais. Essai qualif, on se retrouve pour les résultats des courses, voilà. Pas pour le ressort des courses, non, pour le résultat des qualifs et classement des positions au début de la course. A tout de suite. Bienvenue dans cette journée de course. Les vérifications de dernière minute sont en cours juste avant le départ. Alpine a fait preuve de beaucoup de courage lors des qualifications et espère que le travail acharné va porter ses fruits au moment de la course. Je l'espère aussi. Le travail effectué par Red Bull lors des qualifications, ouais, était simplement spectaculaire. Non, pas vraiment. Voyons s'ils savent réitérer l'exploit pour cette course. Il y a un bug, c'est vite. Les derrière. Nuages sont menaçants aujourd'hui. Les écuries textures vont peut-être devoir faire face à la pluie durant la course. Peut-être. Je doute qu'il va y avoir de la bagarre ici sur le Grand Prix des États-Unis. La bagarre. Préparez-vous pour un week-end d'anthologie. Tout à fait. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, liker, commenter, partager la vidéo. Merci à tous. Ça sera très gentil, merci. Et on va passer aux résultats. Aujourd'hui, les résultats des essais 1. Red Bull, hein, comme d'habitude, devant tout le monde. Alfa Romeo était bien placé en 3e et 4e et 5e position. Les As, surprise de As pour les essais. Hein. Bon, après, c'est que des essais. Plus ou moins la même dynamique pour les essais 2. On va passer au qualif directement. Alors le qualif, il y a eu des surprises, voilà. Des surprises. Verstappen, pas dans le top 10, magnifique. Hors pénalité, évidemment, les pénalités sont là. Perez qui est premier qui aura des pénalités. Je pense qu'il aura 10 places ou quelque chose de pénalité. Donc déjà, Pourchet va remonter de 2 places. Il va se retrouver deuxième. Donc ça serait cool. Il se retrouve deuxième ou troisième. Bah non, il se retrouve troisième puisque 2 places, tac, tac. Il se retrouve... Tac, tac, ouais, il se retrouvera troisième. Non, deux places. Bon, ouais, bref.
Ça se retrouve à 3ème. Désolé pour la confusion, j'ai trop pensé. Russell se retrouve dans le top 10 mais il va redescendre. Norris aussi puis ça cause de pénalité. Ricardo, bon classement. Hamilton, pas de surprise, hein, toujours dans les bons coups. Gasly, la grosse surprise de ce classement, Gasly avec les Alfa Romeo, 3ème. Incroyable, comment il a fait je ne sais pas, mais toute la période c'était comme ça. Pourchaire évidemment, Ocon, déception, 11ème, il n'a pas terminé dans les 10 premiers, c'est vraiment dommage. À quelque chose près, c'est pas grand chose, mais bon. Alors les AlphaTauri, redescendent un peu au classement, hein, franchement, ça redescend. Ça reste pas dans le haut comme avant, où ça jouait un peu avec Alfa Romeo, mais bon, voilà. Verstappen, grosse surprise, il s'est fait un accident dès le début, de la Q3. Donc abîmé l'aileron avant, donc il a plus de... je sais pas combien ils ont d'aileron avant. Mais sa voiture est abîmée. Donc, et en plus des pénalités. Donc il va descendre très bas. Donc là il va descendre 22ème je pense. Et puis Bottas, grosse déception. Bottas qui se retrouve dans le fond de classement. Bon après, pénalité, qui change pas beaucoup de place, mais bon, c'est un peu dommage. Donc voilà. Et donc voilà, on se retrouvera pour la... Esteban Ocon sera à la 6ème place et Ocon sera à la 3ème place. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. On démarre là par les stratégies. Quel temps va faire? Donc il va faire beau, donc stratégie normale. Medium hard. Est-ce que je fais medium hard ou pas? Parce que si je fais des ça va être trop juste. Je fais medium hard, c'est parfait. Ça c'est la stratégie qu'il me faut. Et puis pour Ocon... medium hard, medium... Je vais voir si à la fin je peux accentuer la... Non, je sais pas. Ok. Est-ce que je peux mettre des softs pour la fin? Non, je peux mettre des softs. Ok, donc... Sauf surprise. Pourquoi il m'empêche de mettre les... Pourquoi il m'empêche de mettre les softs? Je ne sais pas. Je vais regarder un truc. En termes de... Où je peux voir ça? Non, c'est pas... Alors, j'ai combien de gommes? Alors, j'ai une gomme... Celle-ci, c'est quoi? C'est retour de la PDI, donc j'ai qu'une seule gomme médium. Donc, je peux pas trop faire de folie. Donc, il faut que je fasse médium, hard, soft. Ah, ça va être compliqué. Médium, hard, soft. Donc, soft, médium, hard. Donc, on va faire ça comme ça. Pour qu'il puisse remonter un peu. Voilà, hop. De toute façon, on aura des voitures de sécurité, je pense. Donc, on va faire ça comme ça. Puisqu'on n'a pas beaucoup de pneus à notre disposition. Et oui, évidemment. Donc, il faut vraiment regarder les pneus avant. Là, est-ce qu'il a assez? Alors, le problème, c'est que lui aussi, il est très juste. Lui, j'ai trop utilisé mes pneus. Après, je crois que j'aurais peut-être un pneu en plus pour la course, mais je suis pas sûr. Même peut-être pas. Non, ça resterait des softs en plus. Donc je vais faire... je peux pas faire medium hard. Je peux faire ce... j'ai qu'un seul pneu hard, donc ça va être compliqué aussi ça. Est-ce que je vais jouer soft à la fin? On va voir. On va mettre hard. Soft, ça va être chaud. On n'a pas beaucoup de pneus donc c'est pas évident. Bon, à la fin je vais mettre vitesse max. Voilà, c'est max. Ça fait une grosse stratégie là, ça fait beaucoup de pneus. Évidemment je n'ai pas énormément, j'ai plus des softs que des médiums. Je les ai pas su les garder. Je les ai utilisés pendant les qualifications. Et pendant les essais donc ouais. C'est pas pendant les essais, surtout pendant les essais comme pendant les qualifications donc ouais. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. On va augmenter alors. Pour Ocon, un petit litre d'essence en plus. Pour Pourchaire aussi. Comme ça, on est tranquille. Ajustement des pièces sont pas trop mal. Boîte de vitesse 40, c'est pas terrible. Je vais mettre. Ah, je vais peut-être mettre une boîte de vitesse à 81. Ouais, ça s'abîme à quand? À partir de quand? Je sais pas. Je sais plus. Je vais regarder sur Ocon. À partir de quand ça s'abîme? Peut-être 29 boîtes de vitesse. Ok.
Bon, voilà. Je vais laisser la boîte de vitesse comme ça. Même si c'est un peu dommage, mais bon, c'est 40. Il n'y a pas de dégâts. Allez, on est parti, on y va. Est-ce qu'il y aura des surprises? On verra bien. Le ciel semble couvert aujourd'hui et les pilotes viennent de s'avancer sur la grille. Couvert pour manger, c'est ça? Voyons un peu l'Alpine. Ouais, ça c'est pour et cher. C'est une troisième place pour le départ de cette course. Est-ce que notre pilote saura transformer ça en victoire? J'espère. Plus loin, nous avons Esteban Ocon. Oui, Esteban Ocon. Avec une position dans les 10 premiers sur la grille, la course peut vite tourner au rêve ou au cauchemar. Donc j'espère au rêve, plutôt que le désespoir. Pas tarder. Allez, dites-moi, pour vous, quelle sera ma position de fin? En commentaire, merci. Au moment où vous regardez la vidéo, évidemment. C'est un défi que je vous lance. Les feux s'éteignent. Le Grand Prix a commencé. Moi, je vais dire... Deuxième, troisième, on va dire ça. Ou peut-être pas troisième, ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué donc. Mais je dirais ouais dans le top 10. Les deux dans le top 10. En espérant qu'aucune se crache. On verra. En tout cas pour Cher est bien parti. C'est le début de la du premier tour. Donc Hamilton me dépasse. C'est pas bon signe. Mais... En même temps pour Cher est en hard. C'est vrai que je le fais commencer en hard, j'aurais pu faire du soft, mais bon j'avais pas envie. Je me dis, je vais prendre le train dès le début. Ah oui, j'aurais pu attaquer en tout de suite. C'est direct. C'est vrai que bon, bah. Là, je vais le faire attaquer direct. Et Ocon n'est pas, ouais, pas très loin finalement. Comme je vous dis, les Alpha Tauri sont pas terribles. Hein. Ils sont pas si transcendantes que ça. On va voir ce que ça donne pour la fin. Là, il a quand même des armes, mais il arrive quand même à s'en sortir. Ocon avec le soft, il n'y a pas de souci, mais avec les hard, s'il arrive à tenir l'allure de Hamilton, ce serait parfait. Hein. On va voir ce que ça donne. Et là, Ocon est en train de dépasser Ricardo, donc c'est cool. Voilà, hop, petit dépassement par l'intérieur. Et oui, petit Ricardo, laisse-nous passer, merci. Nous avons du travail, nous. Vous, vous n'avez pas. Allez, donc, et pour l'instant c'est Gasly qui est premier. Gasly, la grosse surprise. Gasly qui est devant avec une Alfa Romeo. C'est la première fois que je vois ça. Perez et Verstappen sont tout derrière, évidemment, puisque ce sera la première fois qu'il aura fait un tour en premier avec une autre écurie que Alpine. Donc c'est bien pour lui, tant mieux. Sainz qui est deuxième, Hamilton troisième. Mais après, bah, Leclerc est dixième, donc il n'est pas très loin non plus, hein, Leclerc. Leclerc et Russell se battent pour aller les points, Norris aussi. Verstappen, Perez sont très loin. Donc, hein, Bottas aussi, il est très loin aussi. Et Stroll qui est derrière, à Williams. On va voir ce que ça va donner. Allez, on va faire passer le temps plus vite. Pour l'instant, ouais, Porcher a déjà perdu une seconde sur... sur Hamilton, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas. On va voir ce qu'on peut faire. Le DRS est activé. Ocon n'est pas loin. Là, il y aura des différences. Évidemment, Russell est toujours à la bataille avec Leclerc. Ce serait bien qu'il y en ait un des deux qui se mette dans les chauffeurs. C'est bien. Alors, pour moi, ça ne me dérange pas trop. Hein. Là, c'est plus Verstappen et Perez. Ça me va. Parce que les Ferrari sont un peu loin. L'Alfa Tauri se bat quand même plutôt bien, mais... Ouais, allez, Ocon, c'est lui de remonter pour Cher, lui, il a rien à gagner, il a juste à marquer des points, donc c'est pour ça que j'ai mis des hard. Hein. Il a pas forcément des pneus forcément pour gagner la course. Là c'est Ocon qui dépasse pour Cher qui dépasse Ocon. Schumacher qui a bloqué, donc il se retrouve dernier, c'est magnifique. Verstappen 15ème, Vettel. Ocon 4ème, ah ouais, là c'est faute de vitesse usée pour Pourchaire, je me doutais un peu que ça allait être rapide, mais c'est pas grave. Tant pis. C'est faute de vitesse. Hein. Et voilà, Ocon qui a une seconde d'Hamilton qui va essayer de remonter peut-être. C'est déjà la période pour aller au stand? Non, pas encore. Presque. Allez, c'est parti,
Ah, il y a un gros écart entre Alonso et le reste. Alonso, Ricardo, il y a un gros écart. Déjà, Hamilton va déjà au stand. Ses pneus sont déjà cramés. Moi, je vais pas tarder à y aller non plus. Hop. Pour Ocon. Ocon qui se retrouve quatrième pour l'instant. Hein. Et pour Charles, se fait tirer par Ocon, donc ça c'est bien. Ouais. Je vais lui faire voilà. Ouvrir au stand. J'avais dit quoi pour lui? J'avais dit médium. Ok. Medium, hop, c'est parti. On va lui mettre des médiums. Russell aussi est au stand. Il se retrouve dernier. Ocon qui se retrouve au stand. Ocon qui se retrouve devant Russell. Hamilton n'est pas très loin non plus, mais il est devant Hamilton. Norris qui se retrouve au stand. Hamilton qui se retrouve bien devant. Ocon n'est pas très loin non plus, hein, Stroll est vraiment loin. Schumacher est loin aussi. Ocon ravance vers Hamilton. Gasly qui va au stand. Ouais, Gasly qui va au stand, qui se retrouve devant tout le monde, encore une fois. Donc bien joué pour lui, mais Hamilton va peut-être le dépasser. Et tout le monde va au stand, sauf pour Cher évidemment. Sauf pour Cher qui est toujours devant. Hop là, équilibré. Ocon qui se retrouve 8ème de Tsunoda, il est pas encore sorti. Il est en médium, donc ouais. Ocon se retrouve, Leclerc se retrouve juste derrière moi, mais Leclerc s'est pas encore arrêté. Si je me trompe pas. Ah si, non. Ah si, Leclerc s'est arrêté. Bien joué son arrêt. Hamilton s'est arrêté, il se retrouve largement devant moi. Devant Ocon. Sainz s'arrête. Avec des hards. De 55. Ah non, il y a que pour chacun. Ok. Ocon, tout ça, bah, pour l'instant, la Perez qui va au stand. Verstappen, il se retrouve. Verstappen, il est... Allez, 15ème, Verstappen. Il s'est arrêté? Ouais, il s'est arrêté. Ok. Donc, il se retrouve 15ème pour l'instant, Verstappen. Pour l'instant, Porsche a bien passé. Premier. Évidemment, il peut combien de temps, je ne sais pas. Et Sainz se retrouve juste devant... Devant Ocon, c'est bien, ça va lui permettre de remonter avec le DRS. Je pourrais l'utiliser le déploiement, ce serait pas mal. Hop, déploiement pour déployer, pour remonter. Pour Cher qui va utiliser, pour Cher et Ocon qui vont utiliser le DRS pour remonter. C'est peut-être parce que je l'ai pas utilisé. Et là, Ocon, c'est vrai qu'il remonte vraiment très fortement. Hein. Ocon, pour Cher, Ocon qui fait le meilleur temps, évidemment. Qui va pour Cher qui a fait un écart. Ouais, regardez ça, une sortie de virage. Il a fait quoi comme écart? Ok, donc on il a fait un écart de rien du tout, c'est pas grave ça, c'est rien, ça me dérange pas, c'est gagne du temps. En plus Gasly est toujours premier, hein, toujours deuxième plutôt, devant Hamilton. Et Sainz, comment ça se fait que Sainz il est aussi loin? Il n'est pas devant tout le monde. Parce que normalement Sainz est devant nous. Normalement Sainz était au niveau de Gasly. Là c'est forcément différent. Gasly qui se retrouve attaqué par Hamilton et par Ocon. Donc ça c'est plus ou moins pas mal. On va voir ce que ça donne pour Cher pour l'instant et devant. Avec ses hards, on va voir combien de temps il tient. Hop, on va le mettre en neutre. On va mettre en dépassement. Ocon est toujours. Ocon n'est pas loin. Oh, quel beau dépassement. Quelle belle bataille. Et ça, c'est un dépassement peut-être? Non, même pas. C'est une bataille seulement. Ouais, on est à 3 avec le DRS. Donc là, Sainz y remonte évidemment, grâce à nous. Peut-être que Porcher va se faire manger. Gasly va se faire manger aussi. Là, il y a une bonne petite bataille. Regardons où on en est avec cette bataille. Prochain lui pour l'instant, il est juste là. Est-ce qu'on va en profiter de ces dépassements en S? Et on dirait que oui, mais c'est pas sûr.
Un pilote a fait un écart, je ne sais pas c'est lequel, mais ouais. Et Ocon qui dépasse et qui passe devant Hamilton, ça c'est parfait. Verstappen qui se retrouve 9ème, donc ça c'est pas mal. Norris fait un écart. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, c'est des écarts vite fait ça. Il perd pas beaucoup de temps, donc ça va. Mais c'est vrai que là, Verstappen, il est pas loin, mais il sera pas dans les premiers, ça c'est sûr. À moins qu'il fasse des temps de fou. Est-ce qu'on va dépasser Gasly, notre ancien coéquipier ? Pour l'instant, c'est pas mal parti, mais pas forcément. Là, ça va être la bataille entre 4 pilotes, ça va être vraiment très intéressant. Ocon qui est là pour essayer de gagner la deuxième place. Pourchaire qui va essayer de... Alors, j'ai encore des tours à faire avec la voiture. Donc là, il y a encore des tours à faire. C'est pas pour tout de suite. Ouais. Ocon... Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est rien passé, ok. Ah si, un tête à queue. Qui a fait un tête à queue, je ne sais pas. Leclerc qui a fait un tête à queue, ça c'est beau, ça c'est beau. En plus tout seul, c'est dommage. Il a fait un tête à queue, ok. Ça m'arrange. Il perd complètement le contrôle. Ouais, mais ça m'arrange parce que au moins il met un peu de distance, c'est bien. Mais les Ferrari sont là, aux avant-postes. Hamilton a perdu de la place, ça c'est bien aussi. Ça m'arrange. Pour chacun qui est en train de perdre des places, c'est pas grave. Au moins s'il peut faire des écarts entre les autres, c'est déjà bien, mais les écarts sont pas... Ouais, il va se retrouver vers Verstappen et encore. Il faudrait qu'il aille au stand. Je sais pas si je l'envoie maintenant au stand ou pas. Je vais attendre un peu. Et Ocon qui a du mal à dépasser Gasly hein, avec son Alfa Romeo. Il est plus ou moins pas mal hein, son Alfa Romeo. Belle évolution cette écurie. Hein. Bottas c'est toujours dernier, avant-dernier, et ça c'est un peu dommage. Il n'y a que Gasly qui performe avec cette écurie pour l'instant. Donc peut-être qu'un de ces jours Bottas sera peut-être largué. Alors on va voir si Pourchaire est-ce que... Ouais. On va le faire s'arrêter au stand parce que là il perd trop et c'est pas intéressant. Ouais, et là, il y a pas beaucoup, il perd beaucoup de place même parce que tout le monde est dans le DRS et c'est pas terrible. Mais c'est vrai qu'il aura au moins au moins de quoi dépasser tout le monde. Si là il va dépasser tout le monde. Et Gasly oh là, Ocon s'est fait dépasser. Ocon s'est refait dépasser et il s'est fait dépasser par Sainz. Hamilton et il se retrouve au 5ème. Ah oui, bah, il a perdu dans les matchs là. Hein. Là c'est vraiment une bataille de voitures. Tout le monde a le DRS donc là. Voiture peu performante on le voit. Pour les Ferrari on le voit. Une grosse différence. Ah ouais il s'est dépassé. Est-ce que. Ouais pourtant il a des pneus ouais vraiment bien. Mais... Normalement, avance une place dans la course. Il reste un tour pour pouvoir passer les armes. Normalement, Ocon devrait passer devant Leclerc, mais Leclerc il se bat. Et les Ferrari se battent bien, mais Gasly est vraiment dans un jour monumental. Là, franchement, on va mettre un peu plus de puissance. Sur l'accélération, pour Cher qui est 12ème, ça c'est un peu dommage. Est-ce que je vais pouvoir les dépasser? Ça va être compliqué. Oula, oula, oula. Faire attention aux voitures qui reviennent derrière. Oh, qu'est-ce qui vient derrière? C'est Verstappen qui revient derrière au contrôle. Au contact. C'est Verstappen qui est là. Il est au contact. Beau dépassement de la part d'Alpine. On va voir ce que ça peut donner. Que va perdre derrière au stand. Et Verstappen qui est juste derrière. Je pensais qu'il finirait pas dans les points, mais au final il finira peut-être dans les points. Il finira peut-être devant. A voir comment ça va se terminer. Parce que là c'est des hards après un mètre. Il reste encore du temps au tour. Oh il a bloqué.
Il se retrouvait juste derrière Russell, il l'a bloqué, c'est dommage. Ces roues se sont bloquées, ouais. La voiture part tout droit. J'ai vu ça. C'est dommage. Alors Ocon, il faut vraiment qu'il bloque Verstappen le plus possible pour empêcher Verstappen de passer. Et autrement, Hamilton nous fonce dedans, ça serait très bien, moi ça me va. Hein. Moi ça me va si... Si Verstappen fonce dans... si Hamilton fonce dans Verstappen, moi ça me va. Ah, Gassi s'est fait dépasser par Leclerc. Petite surprise. Hein. Gassi se re... ouais. Se fait... Gassi a perdu du temps. Hein. Là, c'est Leclerc qui en profite d'un coup. Enfin, moi ça me dérange pas parce que les Ferrari sont derrière, mais c'est quand même un peu dommage. Évidemment, j'ai plus de DRS. Je crois que je vais bientôt créer au stand. Là, c'est vraiment une bataille à 3. Franchement, on voit 4. Quelqu'un a fait un écart, on dirait. Ouais, ah, Pérez, magnifique, ça. Voilà, c'est ce qui me plaît, ça. Ça, j'aime les voilà, Sergio Pérez. Ouais, c'est rien du tout. C'est des Pérez, des écarts inutiles. Donc là, la host stand, c'est pour bientôt. Voilà. Hop, tu vas mettre des hards et finir la course avec ça. Ouais, parce que là, Verstappen, il t'a vraiment... Ah. Sainz et Hamilton. Hamilton s'est trouvé un peu bloqué, j'ai l'impression. Par Sainz pour sortir. Norris rentre au stand. Ouais. On ressort, Sainz il ressort dans la bataille avec Porcher. Oula, il ressort, oui, dans la bataille avec Porcher. Porcher il a encore des pneus des arrêts à faire. Donc ça va être un peu compliqué. Verstappen et Ocon, c'est... Non, c'est pas arrêté. Comme c'est pas encore arrêté, il peut y aller à toute balle pour l'instant pour essayer de rattraper le train, mais là il a perdu beaucoup, hein. Je sais pas comment ça se fait, mais il a perdu beaucoup. Ouais, Verstappen qui se repasse devant. Et Ocon qui se met juste derrière. Alors là il se roule, alors. Quel écart perdu. Alors là, que d'écart perdu. Et là franchement c'est vraiment du temps perdu. Parce que là il se retrouve devant... devant pour cher, il va falloir que je me voilà. Je vais pas gêner ton coéquipier. Voilà. Et c'est Gassi qui sera bloqué. Par pour cher. Bon, pas très longtemps mais quand même. Un petit peu. Voilà. Hop, Ocon. Lutte avec Sainz. Qui s'était arrêté juste avant. Et Verstappen qui va au stand. Alfa Romeo a gagné une place. Verstappen qui va au stand. Ah oui. Ocon se retrouve à quel niveau? Ah, il se retrouve loin. Ouais. Il se retrouve loin devant. Avec des hards en plus. Ocon il est en ligne droite évidemment. Verstappen il sort maintenant. Il va se retrouver devant nous. Oula, c'est proche. Allez. Ocon se retrouve juste à côté. C'est bien. C'est une bonne chose. On va mettre en équilibré. Pour éviter de perdre trop. Ah, le problème c'est qu'on est un peu loin là de... de Verstappen, donc et c'est Sainz qui doit le bloquer. Voilà, c'est Sainz qui le bloque un peu. Donc ça c'est pas plus mal. S'il le bloque un peu, c'est pas plus mal. Bottas qui se retrouve encore dernier. Gasly qui est dans le top 6. Il reste encore l'arrêt de Leclerc et de Pérez, hein, qui reste à faire. Ouais, il reste Leclerc, Pérez. Cher, il reste encore plein. Pour Kierman, c'est impossible. Mais c'est
Gasly qui essaie de m'en dépasser, hein. C'est un truc de dingue. Et Leclerc qui est en train d'aller au stand. Alfa Romeo vient de gagner. Et Ocon se fait manger là. C'est un peu figurant. On va le mettre neutre. On va le mettre en neutre hein, pour pouvoir ne pas perdre trop de temps. Ouais, les écarts, on est à 5. Perez il en est où, il sort juste. Et Leclerc aussi. Ouais, ils ont perdu du temps. Ils ont perdu du temps, on arrive à les dépasser. Ah, on arrive juste derrière. Ça c'est dommage. C'est Gasly qui en profite. Franchement, c'est Gasly qui en profite. Parce qu'il se revient troisième. Et là, ça va en premier. Ça donne vraiment un touchant. Heureusement que Perez, lui, est 8ème, donc les Red Bull sont pas forcément dans les clous. Mais Boucher ne va pas résister longtemps. Ah, il y a une voiture bloquée, concurrent à bloquer. Qui est-ce? Un pilote a fait un écart, je sais pas c'est qui. Il y a eu un blocage, on dirait. C'est Stroll, bon bah c'est la fin de. C'est. Le bas de classement, c'est pas très important. Donc voilà. Bon bah voilà, il va falloir essayer de se maintenir. Pour Bourchère aussi. Ça va pas être évident. Parce que j'ai plus d'armes, vous avez vu au début. Mais au moins je finirai avec des relais très rapides. J'ai le DRS, Ocon a le DRS mais il est de plus en plus écarté, de plus en plus à la ramasse. Le Gasly qui se refait dépasser, qui se retrouve derrière. Et là pour les virages, bah, c'est pas bon. On va le mettre en neutre parce que dépassement c'est pas terrible. On va essayer de voir si on peut dépasser tout ça. Ça va être compliqué. Autrement, on laisse se batailler, mais Verstappen est devant. Le deuxième. Peut-être qu'il va reprendre la première place tout à l'heure. Ouais, il a repris la première place avec le DRS. Ça va être une belle bataille. Jusqu'à la fin, je pense. En tout cas, j'espère. Une belle bataille jusqu'à la fin, ce serait bien. Et là c'est lui, il va finir loin. Donc même Perez il va finir devant lui. C'est pas une course très bien faite de ma part. À part si c'est petit carbu. Gasly qui se laisse pas dépasser comme ça. Les voitures derrière, je sais pas s'il va réussir. Mais... pour l'instant, celle-là est une bataille acharnée. Pour l'instant, on est tous dans la seconde, donc c'est bien. Red Bull gagne une place. Perez dépasse, non. Ouais, pour Cher, il va se faire dépasser par tout le monde. Magnussen, Ricardo. Il a
plus de bien, il peut pas se so currently P9, showing P9. C'est pas grave, après il est que jeune encore. Hein. Il est dans sa deuxième saison, pas dans sa première saison entière, donc c'est compliqué pour lui. As vient de gagner une place, on dirait. Ah, il va se retrouver vraiment loin. Hein. Alpine remonte de quelques places. Là, je vais le faire aller au stand. C'est vraiment dommage pour Ocon, okay, pour Boxer. Ocon lui continue dans sa lancée, donc c'est bien. Même si évidemment ils sont très loin maintenant, Alpine à 3 secondes. A gagné une place. Ils sont à 3 secondes, 5 secondes. Ils sont trop loin. Ils sont à 5 secondes de nous, c'est vraiment trop loin. Verstappen doit venir premier au final. Terminé. Oh, oh, voiture de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Accident, ça c'est parfait. Parce que pour Chavo Stand, on va en profiter. Il y a eu un accident. On c'est va Alonso revoir qui ça. A fait un accident. Regardons qu'est-ce qui s'est passé cela. Il s'agit oh, juste devant en plus. C'est un accident qui va coûter cher à l'écurie. Donc il est pas reparti. Okay. J'ai cru qu'il y avait un accident entre plusieurs voitures. Mais... Quel coup dur pour l'écurie. C'est dommage. Ils vont c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voiture de sécurité. Tiens, moi, ça m'arrange. Copy. Parce que Ocon qui est quatrième. Discharge the pack. Reste à bon premier. Perez est passé devant, mais là, les écarts vont se raccourcir pour pouvoir attaquer. Et quand j'attaque, j'attaque pas avec Red Bull. Donc là. Pour cher 11ème, bon, on n'a pas perdu beaucoup de place, en plus il va être avec des pneus neufs. Il va être avec des pneus neufs, mais les pneus tombent vite en puissance. So the safety car is going in this lap. Là par contre pour cher il va pouvoir monter fulgurement, parce que là. Mais c'est pas son dernier jeu de pneus, donc c'est ça qui est. Nice. Hop. Alors, dépassement, poussée, attaque. Attaque, dépassement, dépassement. Voilà. Il y a Ocon qui se retrouve quatrième. Toujours à la bataille pour les premières places. Je vais pas le faire attaquer non plus trop, mais. Pour cher il en est au 9ème. C'est vrai qu'il a un problème de moteur donc ça va être pas de bonne taille, ça va être pas un coup. Il va dépasser. Normalement quand tu te mets à fond, tu vois une différence. Là, évidemment ils sont tous à fond. Je suppose. Je vais quand même le mettre en mode simple. Quoi, Gasly il va prendre perte de place. Il est quand même un peu affiné. Pour cher qui se retrouve 8ème pour l'instant. Il n'y a pas encore de DRS mais c'est pas grave. Ocon qui est toujours au. Il va falloir le dépasser, c'est un Hamilton, il va pas le même coup. Normalement, hein.
Pour Cher, il se retrouve 7ème. Avec ses pneus sur le temps. Merci pour la voiture de sécurité. De la part d'Alpine. C'est à peine 60 en pneus, ça me fait beaucoup. Je sais pas comment il fait pour passer le temps, c'est peu. Le pilote s'est bloqué. Quel pilote, je sais pas. Le courant qui est bloqué. Ah. DRS has been enabled. C'est pas Verstappen ou... Ouais, c'est Verstappen qui a bloqué. Wow, gros blocage. Ah oh, il se retrouve très loin. Il se retrouve derrière. Nous voyons Max Verstappen maintenant. Il a pas réussi à... C'est un blocage. Ouais. Ça pourrait coûter cher. Il a pas réussi à résister à la pression. C'est un véritable coup de massue. Ah oui, pour Verstappen, oui, c'est clair. Pour nous, non. Là, ça fait Ocon qui passe devant. Je vais devoir rebatailler pour venir. 4 secondes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, avec ce là, lui, c'est bon, c'est là. Et une tête à queue d'un du concurrent. Drapeau jaune. Oh, Leclerc qui fait un tête à queue, mais c'est magnifique. D'accord. Les tauliers qui font des têtes à queue en plein Grand Prix, c'est magnifique. Regardez ça, la voiture ça, fait un tête à queue. Mais oui. Il perd beaucoup de place là. Là c'est magnifique. Là c'est des points gagnés, récupérés. Parce que là il se retrouve évidemment dernier. Totalement dernier. Totalement dernier. Voilà. Pour le coup. Donc Verstappen a de la chance de rester encore dans les devants. Et là il va se faire remanger par contre le dessus. Il va peut-être se faire manger par toucher aussi. Alpine a gagné une place. Ocon qui est toujours là. Perez qui est devant. Such an awesome job, Mike. On dépasse Sainz. Cher. Cher qui se retrouve sans batterie. C'est pas grave. On va utiliser le DRS. Normalement c'est la queue. Bah, Verstappen se fait manger. Par tout le monde, bien sûr. Perdre en capital pour moi. On va partir un petit peu. Donc on est toujours en dessous. Capital pour moi. C'est pas très différent. Est-ce qu'il va faire un double dépassement ou est-ce qu'il va faire un double dépassement? C'est la grosse. Dommage. Tentative maintenant. Voilà. Il va s'activer. Il se met derrière Verstappen. Est-ce qu'il va réussir à le dépasser? En plus il y a le DRS hein, qu'il est derrière Verstappen. Hein. C'est vraiment spécial. Donc là, je pense que je vais bientôt faire aller au fond. Autrement, je le fais attaquer en agressif. Pour le maintenir, Gasly et Ocon qui est toujours pas très loin. Verstappen qui est vraiment plus loin, trop loin. Ah, Verstappen a repris du coup de la position. Ouais, ça se voit. Faire aller au stand, c'est bon, j'ai compris. Le prochain tour on va au stand. So, box box. Ocon qui va devoir jouer des coups pour rester devant et ne pas se faire attraper par l'ogre Verstappen. S'il
peut récupérer des points sur Verstappen, c'est bon. Occasion une petite Verstappen fait devenir temps. On essaye le DRS. Il aura le DRS. Est-ce que Pourchaire va pouvoir le dépasser? Oh, Pourchaire va pouvoir le dépasser. Et oui, il arrive à le dépasser, magnifique. Ça c'est une bonne chose, mais par contre il dépasse aussi. Ils ont tous les deux le DRS. Comment ça peut se faire ça, je ne sais pas. Puisqu'ils sont très loin l'un de deux de... C'est tous les deux le DRS. Ouais, parce que je suis dans le DRS de Verstappen, lui, donc, c'est dommage. Il va falloir... Ah, il se retrouve à avoir la DRS celui-là. Franchement, il y a de la chance de trouver le DRS sur moi, donc évidemment, c'est le DRS sur le con, évidemment, pas résisté. Oh, Pourchaire, il se retrouve trop loin. Les écarts sont trop faibles pour être intéressant. Ça, c'est vraiment dommage, il va pas gagner de points. Et les Red Bull vont gagner des points. On va regarder ça au classement. C'est pas la meilleure affaire que j'ai faite. J'aurais pu essayer de garder mes pneus jusqu'à la fin. Donc là, Ocon est toujours devant. 2 points d'écart. Constructeur, évidemment, on se retrouve à moins de points. On a perdu encore des places. C'est un truc de fou. Donc voilà. Là, il se retrouve deuxième et troisième. Deuxième et... Ouais, deuxième. Premier et deuxième, donc là, ouais, les classes... And DRS is disabled. DRS disabled. Vraiment qui s'accroche. Yeah, copy. Vraiment qui s'accroche. Là, c'est les derniers tours, donc... Ouais. Faut qu'il s'accroche. Faux dépassement de la part d'Alpine. Pour chercher son nom. Accident. Oh. Et Ocon passe devant pour devant Verstappen. DRS activé. Non ignoré pour le stand, ignoré aussi. Si ça se termine comme ça sur une voiture de sécurité, ça serait magnifique. Big chance on the main street. Et c'est Norris. Voilà, oh, plusieurs ralenti. Voitures en plus. Et si on regarde la ça doit être une Norris, oula. Et une Mercedes en plus. C'est une McLaren future. Oh là là là. Oh, oh, ouh, voilà l'accident, il est vraiment très très dur. Croyez-moi, ça ne va. Oh, la voiture prend feu. Oh, le moteur il est mort. Le moteur il est mort, la voiture prend feu. Grosse déception pour l'écurie. Là, leur voiture elle est complètement morte, le moteur il est à zéro. Et Russell est impérialité. Ouais. Là, franchement la voiture de Norris là, elle est morte de chez mort. On va aller avancer jusqu'à la fin. Est-ce que on va finir sur une voiture de sécurité ou est-ce qu'on va réussir à faire un tour en voiture la fin de la voiture de sécurité, évidemment. Ici la fin de la voiture de sécurité, il reste un tour. Il reste 2 tours, plus ou moins. Donc là il va falloir attaquer à tout va. Attaquer à tout va, même pour ouais, déploiement au maximum de ta puissance. Ouais. En plus il se retrouve deuxième, donc c'est lui qui décide. C'est lui qui décide s'il arrive à le rattraper ou le dépasser ou pas. Donc là il a intérêt à mettre vite des écarts. Pour être tranquille. On va se taper dans le milieu. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Si Verstappen reste derrière comme ça, c'est pas mal. Parce que c'est le dernier tour. Il va falloir que... Ouh, il va falloir qu'il dépasse. Il va falloir qu'il dépasse maintenant.
Oh, c'est bien parti, c'est bien parti, c'est pas mal, c'est bien. Maintenant, il va falloir qu'il tienne le coup jusqu'à la fin de la course. Verstappen est lâché. Gasly 4ème. Fourchat toujours 15ème, bon, il va peut-être remonter, on sait pas. Donc là, c'est la bataille. La bataille pour les points. Est-ce qu'on va tout inverser? Est-ce que ça va être l'inversion? Ça va être dur parce qu'en plus il n'y a pas le DRS donc c'est parfait. Il n'y a pas le DRS donc ça va être parfait. Est-ce que c'est le call parfait? Même si Porcher ne part pas de points, est-ce qu'on va tout changer? Parce que là, c'était amené à être premier ou deuxième et là. Là ils sont amenés à être troisième, quatrième, deuxième, troisième. Porcher qui dépasse Zoom. Est-ce qu'on dépassera plus Zoom, c'est ça? Dernier virage. Il dépasse. Dernier virage. Est-ce qu'il a réussi à rester devant? Oh, c'est bien parti pour. Et Verstappen va perdre des points par rapport à son coéquipier. Enfin, avec son coéquipier, évidemment. Et voilà. Une victoire d'Esteban Ocon. Magnifique. Magnifique. Dommage pour Prochard qui ne marque pas de points, mais bon, c'est pas grave. On aura sauvé les meubles. Victoire d'Ocon. Ouais. Ocon franchit la ligne en premier. On aura sauvé les meubles. On passe 10 à 14. Alors qu'on était en perdre plus. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. En tout cas, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez vu en vidéo. Si vous êtes encore là. C'est une performance. Ouf, c'était dur. Complètement dur. Complètement chaud en adrénaline. Là. On est passé de Verstappen qui remonte tout à des accidents à la fin. Ne voulez pas l'accident. Et là. Franchement, c'est bien joué. Une magnifique récompense pour le travail accompli au cours de ce week-end. C'est clair. Et merci Perez d'être resté à la deuxième position. Dommage que Verstappen n'a pas fait un accident. Comme Leclerc, parce que Leclerc aussi n'a pas mis les points. Bon, il est indéniable que le pilote français mérite ce résultat. Il a été absolument fantastique. Dans ses soucis, moi ça. Mais n'oubliez pas qu'il n'est pas question que du trophée du jour. Mais les points marqués peuvent faire la différence. Tout à fait, il reste beaucoup de points. J'imagine que tout le staff d'Alpine sera très satisfait de sa performance du jour. C'est vraiment fabuleux de voir que tout le travail qu'ils ont fourni paye comme ça. Après un week-end intense, l'écurie termine à la première place du classement toujours des constructeurs. Nous approchons de la fin de la saison et il est temps que ça chauffe. Restez avec nous, la F1 part pour Mexico. Mexico. Ok. Mexico arrivera nous. Et donc Esteban Ocon change toute la donne. Il passe de 6 points à 10 points. Et donc il va changer la donne au niveau de son classement de pilote. Puisque il s'avance un peu plus devant Verstappen. Qui avant Verstappen devait être juste devant lui, maintenant les deux places derrière lui pendant le résultat. Donc il marque que 6 points au lieu de 8. Ou ouais. Ou il marque que 6 points au lieu. Et moi j'en marque 10 à la place de 6. À la place de 4 plutôt. Non à la place de 6 c'est bien. Donc voilà. Bonne technique, bon call, donc c'est parfait. Ferrari, Sainz a sauvé les meubles, hein, évidemment. Il se retrouve quatrième, donc c'est bien. En termes de pilote, donc pour Cher, évidemment, comme il ne marque pas de points, évidemment, bah, il se fait dépasser par Carlos Sainz, mais bon, c'est pas trop grave, hein, pour quelques points, on peut les rattraper dans d'autres Grands Prix, c'est pas trop grave, mais Leclerc aussi ne marque pas de points avec son tête à queue. Et donc bah, on reste à 10 points d'écart. Le Hamilton marque que 3 petits points. Gasly, belle surprise, il remonte au classement. Il dépasse son coéquipier. Magnussen remonte aussi, évidemment, belle surprise aussi, il remonte d'une place. Les As ont bien joué. McLaren aussi, Ricardo remonte un petit point. Bon bah c'est quand même des points pris. En termes d'écurie, Alpine, on est toujours devant. Donc pas de beaucoup, évidemment, on a perdu 4 points. Il nous reste encore des points à prendre, il nous reste encore des points à défendre. Donc ça devrait le faire pour l'instant. Ferrari marque 4 petits points.
Mercedes, il en marque 3, mais bon, ça change pas grand chose. Alfa Romeo, de son classement de Gasly, reprend 2 petits points à Mercedes. Est-ce qu'ils vont passer devant? Est-ce qu'ils vont rester derrière? Je ne sais pas. McLaren, je pense qu'ils vont rester devant Haas. Peut-être pas, on ne sait pas. Pas beaucoup de points d'écart entre les deux, donc AlphaTauri cette saison, c'est un peu décevant. Aston Martin et Williams aussi. Donc voilà. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve pour un prochain Grand Prix. Et pour Charles a fait le meilleur tour, mais il n'a pas de points en plus. Donc c'est dommage. Donc voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau Grand Prix de Mexico. Allez, tchuss.